J'en ai assez de rester au bureau. J'ai l'étoffe d'une star de la communication. Je veux être journaliste vedette. En attendant, tu pourrais peut-être répondre au téléphone. Je dois partir. J'ai un rendez-vous important. Ne bouge pas d'ici. Et allez, je lui parle de gloire et de paillettes. Et lui, il me demande de faire le standardiste. Non, non, non. Allô, allô. C'est moi, Pérophone. J'ai de grands projets. Vous avez bien une caméra au cirque? Oui. Bon, tu passes chez Flac, tu lui prends sa brouette et tu me rejoins. Comme tu le sais, je suis un caméléon et j'aime bien changer de couleur. Alors? Tu voudrais savoir si je peux te teindre? C'est exactement ça. Je voudrais un joli vert. Je teins les vêtements, pas les caméléons. Oh là, une odeur de brûlé! Malheur! J'ai oublié le phare à repasser sur le caleçon! Oh là là! Oh, oh là, comme c'est intéressant! Brûlé! Il faut que je le rembourse! Tiens, où est passé Léon? Mais qu'est-ce que je suis distrait tout de même? Mon idée est simple! Nous allons faire un journal télévisé! Comment nous? Je vais interviewer les gens et toi tu tiendras la caméra. Oui, mais... Notre premier reportage, c'est Carl le Lion. Pas de temps à perdre. Tu me mets dans la brouette, le car régie, et en route. Au secours, Charlie. Sors-moi de l'eau. Oh, oh là là, j'ai enfermé Léon dans la machine. J'ai perdu toutes mes couleurs. C'était mince, il y avait de la lessive au glouton. C'est hyper dangereux, ton produit. Que vais-je devenir? Il faut vite aller voir un médecin. Moteur. Quoi? Pas quoi, non! Tu dis ça tourne! Ben, j'ai jamais dit ça! Appuie sur le bouton! Nous allons aborder un sujet très grave. Comment un lion peut-il se nourrir de lait? Carl, est-ce difficile de ne plus manger de viande? Viande! Je veux de la viande! Tu es beau comme un poulet, j'ai envie de te manger! Ouf! J'ai retrouvé mes belles couleurs de caméléon. Tu l'as échappé belle, hein? Et j'ai encore brûlé un vêtement! Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Regardons la cassette! J'ai hâte de savoir si ce que nous avons filmé est bon! Ah, voilà Nos. S'il sait que je me suis absentée, vite, cache la cassette. Non, pas là. Salut Bernie, Pyrophone, pas d'appel? Non, non. Bien, bien, vous vous apprêtiez à partir? Oui, allez Bernie. Mais pourquoi tu lui dis pas? Un peu bizarre ce Pyrophone. Oh, j'allais oublier, il faut que je porte mon linge à laver chez Charlie. Salut Charlie, je t'apporte du linge à laver. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Encore un problème! Oh là là, quelle catastrophe! C'est que cette vidéo est cassée, il faut que je trouve une solution. Non, ce n'est pas là. Non, je ne le ferai pas. Vite, récupère la cassette! Zut, rezut et hyper zut! Le sac a disparu. Attention, Nos revient. Demande-lui où est le sac. C'est celui qui dit qu'il fait. Hein? Et que se passe-t-il? Bien voilà. Au lieu de rester à répondre au téléphone, je suis partie avec Bernie faire un film exceptionnel. Je peux te faire confiance. Oui? Non, je ne fais pas répondre au téléphone toute ma vie. Et continue. Bernie a caché la cassette dans ton sac, mais il n'est plus là. C'est l'enquête la plus facile que j'ai jamais eue. J'ai apporté cette poche de linge sale chez Charlie. Allez, Bernie, cours la récupérer. Je viens chercher la cassette. Oui. Pas le temps. C'est que... Vite, vite, mets-la dans le caméscope. Mais... Ce n'est pas notre reportage. Mais c'est le film des vacances de Charlie. Bernie, arrête tout. C'est quoi cette cassette? Où est le reportage? Je sais pas, c'est Charlie. Excusez-moi, voilà, j'ai mis la cassette dans la machine à laver et je l'ai cassée. Alors j'ai donné une de mes cassettes à Bernie pour la remplacer. Il faut tout refaire. Si vous êtes d'accord, je pourrais vous aider, je sais filmer. Oui, c'est une idée. L'équipe peut s'agrandir. Ça m'arrange. Pérophone, tu ne m'as jamais demandé si je savais filmer. Eh? Je sais pas. Oh non, c'est pas vrai. Oh.